là, on a une continuité dans les aménagements. Nous voulons marquer les esprits de façon à ce qu'il y ait un intérêt. C'est un impact psychologique, sociologique, pour dire on peut aller au centre-ville de Nantes, on peut aller à l'université, on peut aller là en toute sécurité. Et bon, vous l'avez compris, c'est bien d'avoir un axe, c'est bien d'avoir deux axes. Qui est le plus important? C'est d'utiliser le vélo plusieurs fois par jour. C'est d'utiliser le vélo pour aller dans la proximité. C'est utiliser le vélo dans son quartier. C'est la priorité chez nous, hein, et celui qui avance le moins vite. Donc vous êtes censé avancer plus vite que le piéton. Donc vous respectez les piétons et vous faites attention. Hein, mais bon, c'est juste un rappel pour que, ensemble, on soit aujourd'hui exemplaires. Hein. Et ça, c'est tout ça. Ça roule en couple également. Hein. Je vois pas mal de couples qui ont fait le déplacement. Oui, on peut même promener, par exemple, ses ancêtres morts à l'arrière dans leur cercueil à l'arrière du vélo. Comme ça, on fait du vélo en famille. Et ça, c'est des déménagements de la. La même chose. Attention à toi devant. François, c'est bien, François. Attention, ton vélo. J'ai piqué ton vélo.
métropole à vélo, ça va. Oh, de l'autre côté, ils sont très bien. Ouais, mais ça fait loin. Ça mange, hein, vous avez dit, la vie est mangeable, donc...